on nous avait promis un marché dans 7 mois. Donc, le président était là le 22 octobre 2018. Aujourd'hui, on se retrouve le 23 mai 2019. Donc, les 7 mois sont épuisés. Et jusqu'à nos jours, rien n'est fait. Que le président nous avait promis un marché qui sera construit dans un délai de 7 mois. Les 7 mois sont épuisés, rien n'est fait. À part la destruction du reste du marché qui abritait l'hangar de poissons et des légumes. 300 et quelques femmes exerçaient sans cesse dans cet hangar. L'hangar a été détruit et rien n'est fait jusqu'à nos jours. Donc, nous, commerçants de Gigenchor, commerçants de la Casamance, commerçants du Sénégal en plus particulier, on lance un appel au président de la République de se rappeler un peu de la promesse de ce qu'il nous avait promis, un marché moderne, sous-régional, qui sera construit dans un délai de 7 mois. Et jusqu'à nos jours, monsieur le président, rien n'est fait, le marché n'est pas encore construit. Donc, nous rappelons au président de se rappeler du 22 octobre 2018, lorsqu'il était pour la pose de la pierre du marché de Tilène. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Des connaissances Gigenchor non rues, avec l'hivernage, certaines rues sont des ravins. Et les femmes se sont installées dans un boulevard que tu sais, le boulevard, s'il pleut, il n'y a que l'eau, on ne peut plus s'installer là-bas. Ils n'ont qu'à nous aider. C'est un marché qui abrite des populations différentes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Tout le monde sont dans les rues, certains sont retournés, faute de ne pas avoir ça là où s'installer.